Et bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de véhicules et même customisation. Je vous avais laissé le choix entre ces trois véhicules dans l'espace communauté, je vous les avais pris en photo. Et vous avez choisi, laissé le choix plutôt de choisir le véhicule que vous vouliez que je customise en premier et que je vous présente en vidéo. Et donc, avec 23 votes, c'est la Pegassi Zorusso qui l'emporte tout simplement. Donc voici le véhicule, c'est une super sportive. Concernant la présentation de la marque et tout IRL, ça je le ferai que quand le jeu sera disponible en online, parce que je vais certainement refaire une vidéo dessus quand il sera disponible. Donc à partir de là, je referai les vidéos normales. Mais là, on va se concentrer uniquement sur le véhicule dans le jeu pour que vous le voyez bien et tout ça. Et on verra ça plus tard. Tout ce que je sais, c'est que c'est un mélange entre une Lamborghini et une Italian Design Zeruno. Mais bon, on verra ça quand elle sortira. Là, on se concentre sur le véhicule. Donc voilà, ça, elle est franchement jolie. Hein. Elle est très très jolie. Allez, on va monter dedans pour que vous voyez un peu l'intérieur. Donc voilà l'intérieur, comment il est. Il est plutôt joli. Hein. Ça reste sobre avec les deux petits sièges baquets. Voilà. Et là, on voit donc le moteur à l'arrière. Il est joli. Hein. Même le blason là de la voiture là. La marque est pas mal non plus sur le moteur, ça fait joli je trouve. Donc voilà, on la voit un peu plus en détail. L'avant s'ouvre pas visiblement, en tout cas pas avec le mode. On verra une fois qu'elle sera dans le jeu. Donc allez, on va aller au garage, on va la laisser là sur les quelques mètres qu'il y a. Et puis on va aller la modifier au garage. Allez, on est parti. Allez, on se retrouve au garage. On va voir ce qu'elle donne maintenant, une fois customisée. Blindage à fond. Frein de course. Moteur niveau 4. Échappement de série. Échappement scindé. On voit c'est coupé au milieu. Kit échappement multiple. Échappement angulaire. Échappement angulaire carbone. Voilà. 10 échappements. Il y a 5 sorties de chaque côté. Échappement de rue. Oula. Ça fait un peu dragster ça. Hein. On va le mettre, hein, écoutez. De toute façon là, c'est vraiment juste pour voir ce qu'elle a. Toutes les pièces qu'elle a. Alors, pare-choc avant, ouvert. Ouvert 2. Donc c'est sans la lamelle en dessous. Course. Course 2. Avec les petites lamelles sur le côté là qui apparaissent. Allez, on va prendre celui-là. Calandre ouverte. Ah oui, d'accord, ça enlève la séparation au milieu. Couverte et ouverte. On va la fermer. Capot. Minimaliste. Profilé. Profilé 2. Ouais, on va mettre celui-là. Klaxon, on s'en fout. Éclairage. Phare xénon. Motif. Alors, tricolore. Ah bah c'est la bande italienne. C'est que là avec le pare-choc, ça y est, on le voit pas. Des bandes noires. Revient jusqu'à l'arrière aussi. Course flow. Oh, il est pas mal celui-là. Il est joli.
Zéro gaz. Sympa aussi. Interland. Ouais, c'est pas mal ça aussi. Lucky Plucker. Ça, c'est pas mon délire. Bon, après, les couleurs vont bien avec, quoi. Mais bon. Pegasus. Alors, c'est. Ah, d'accord. Blanc et bleu. Concierge, Pegasus. Ouais, pas mal. Ron. Oh. Oh, celui-là, il est joli. Ah oui, oh oui. Oh, j'aime beaucoup celui-là. Ah ouais, celui-là, il est stylé, je trouve. Rimpaint. Ah, c'est le même nom que ma boîte, ça. Ma boîte de nuit. Et Flintholz. Ouais, ça on dirait des poils. On dirait un chien ou je sais pas quoi qui est en arrière, c'est bizarre. Ah, écoutez, moi je vais mettre celui-là, j'aime bien celui-là. Allez. Hop, plaque. Bah, de toute façon, on la voit pas, c'est pas la peine. Peinture, couleur principale. Métallisé, noir. Ah, elle est pas mal en rouge. En rouge, elle est pas mal du tout. Ah ouais, ça rend bien comme ça. Orange foncé. Ah, même comme ça, orange vif, c'est stylé. Or, bronze, jaune. Jaune racing. Attends, on va la laisser noire. J'aime bien noir. Couleur secondaire, c'est quoi du coup? Ah, c'est le moteur et tout, d'accord. Ah ouais. Là, il faudrait... Ouais, comme ça, c'est pas mal. Ah, c'est joli comme ça. Ok, pas mal. Le toit. Toit carbone. Ah, on peut fermer le toit. D'accord. On va le mettre pour... Bec de canard. Ok. Juste un tout petit aileron. Bec de canard carbone. Ouais. Et le rond dragster, what the fuck? Aileron GT, ah celui-là il est joli. Aileron de rue couleur 2. Bah ouais non mais alors celui-là oui d'accord. Ah celui-là il est incroyable. Ouais il va très bien dessus. Allez hop. Transmission à fond. Turbo pareil. Les roues. Alors, type de roue. Haut de gamme. On va prendre les carbones solaires, ça y va bien dessus. Allez. Carbone solaire, couleur des jantes. Ah ouais, d'accord. Orange profond. Orange vif, ok. Les pneus. Apparence des pneus. Customiser, ok, amélioration des pneus. Ça y est déjà. Fumer les pneus, on peut mettre orange. Fenêtre. On la teinte. Et éclairage du coup. Kit néon.
Bah orange. Orange ou jaune? Ouais. Orange, allez. Bon, on a fait le tour, on a fini. On a fini de la customiser. Allez, on va aller la voir dehors. Donc voilà, on l'a fini, cette voiture. Elle fait un joli bruit hein, déjà. On va juste sortir 2 minutes, faire le tour. Donc voilà, là je l'ai mis avec un toit en carbone, mais elle peut rester donc décapotable, hein, vous l'avez vu. Donc voilà, un peu ce que ça donne une fois customisée. Donc après chacun ses goûts, moi ça me plaît comme ça. J'aime beaucoup. Après je la ferai peut-être différemment quand elle arrivera sur le online. Pour peut-être certainement me rapprocher plus de la vraie, du vrai véhicule voilà, du véhicule IRL. Là, c'est surtout pour vous montrer un peu ce que ça peut donner avec différents trucs, quoi. Voilà, puis même, moi, je trouve ça assez sympa, hein, cet échappement à l'arrière, là, de course. Je trouve ça plutôt joli, vraiment. Ça fait nerveux, je trouve. Bon, allez, on va aller l'essayer maintenant. On va aller faire un petit tour. C'est parti. You got off lucky, homie. Donc voilà les potos, on en a fini avec la présentation de cette Pegassi Zeruno. Donc voilà, d'origine en cabriolet, elle est pas mal aussi. Hein. De toute façon après, comme je vous ai dit, chacun ses goûts, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Moi je l'ai fait pour que voilà, vous montrer un peu les capacités maximum que ça peut donner. Même si je la trouve franchement jolie comme ça, après voilà. Je sais que ça va encore discuter en commentaire, mais c'est pas grave. En tout cas, je voulais juste vous la montrer. Voilà, vous me direz si ça vous plaît ou pas, ce genre de vidéo. Et puis, si ça vous plaît, bon, on continuera avec les autres. Et en tout cas, bah voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. À lâcher le pouce bleu si ça vous a plu. Et puis, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo présentation d'un futur véhicule dans GTA Online. Encore merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine. Ciao.